Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. On était en train de... T'as bougé tes troupes qui feront le siège là? On était en train de... C'est une erreur. Donc, c'est bien de me vérifier, c'est une erreur. C'est bon, non mais j'ai vu, tiens c'est marrant, il n'y a plus le pourcentage pendant que je... Ouais, on était en train d'écraser le jaune pour, voilà. C'est ça qu'on faisait. Je pense que c'était un clic entre deux épisodes sans en ayant oublié que j'avais l'armée sélectionnée, et voilà. Ah, c'est le... là c'est le drame. C'est pas grave, hein, pas de stress. Donc du coup, on venait juste de sortir là, avant la fin de l'épisode, vite fait... Le Biapas qui avait décidé de rejoindre complètement inconsidérément la guerre. Ici on peut mettre combien d'hommes? 31 000 hommes, faudrait qu'on mette plus d'hommes ici, c'est chiant. Voilà. Donc du coup je bouge un peu mes troupes hein, avant d'enlever la pause. Celles qui sont en exil chez le Biapas. Pas de problème. Vous, où est-ce qu'on peut mettre des troupes? Ici c'est pas mal, vous allez aller là. Voilà. Bon, du coup, il y a le petit territoire pris de chez mon vassal qui est resté occupé par le Jaunepour. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est en exil, donc je peux pas pouvoir y aller. Vraisemblablement, le Jaunepour va se replier là. Mais c'est pas grave, on va le poursuivre, pas de soucis. De toute façon, je pense que là, on va prendre les deux trucs qui lui restent et puis il va lâcher l'affaire. Hein. Ça devrait. Je vois pas bien ce qu'il pourra faire. Ça m'emmerde de pas avoir pu terminer l'Afghanistan, mais bon, bah tant pis, hein, on le terminera une autre fois. Alors là par contre l'accès militaire avec le jaune pour non, avec le la transoxiane hein, il sert plus à rien. Ah faut que j'ai plus de troupes, oui faut que je replie mes troupes, d'accord très bien. Et bah en repliant les troupes. Ah ici on a plus d'exil, on va y aller du coup. Ah non il s'est replié, il s'est refait là le jaune pour, très bien. Du coup où va-t-il? Pas où il va, mais en tout cas il y va. Donc on va se recentrer doucement avec toutes nos armées. Les trois navires de commerce que j'ai une fois de plus oublié là, on va les envoyer faire un truc, protéger le commerce bah, du Bengale. Hein. Trois navires de commerce au Bengale plus 20 de bénéfices, voilà quoi. La question se pose pas trop du coup. Ça. Alors où est-ce qu'il va lui? Il va par là. Il va par là, très bien. On va essayer d'aller voir si on peut pas aller lui faire coucou. Il veut une paix hein, mais là on veut une paix à 100%. Il n'y a pas de... Pas de débat. Les conversions, ça nous fait remonter notre karma doucement, donc on en profite. Alors, on est en train de le poursuivre, il essaie de s'enfuir. Où sont nos armées? Ici. Donc on va le prendre en sandwich, tout simplement. Et on va couper l'accès militaire avec notre ami la Transoxiane, hein, parce que du coup ça va le bloquer le jaune pour là. Il est déjà en train de se déplacer par là-bas, zut. Normalement il devrait plus pouvoir bientôt. Il va peut-être se retrouver en exil du coup. On va voir. Voilà. Il n'est pas en exil. Ah, il a pris accès militaire. Il a demandé l'accès militaire en fait. Il va là. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ces troupes-là se rapprochent. Et dès qu'il est loqué, on va lui sauter dessus. Voilà. Ah, on n'a pas de chemin, j'avais pas vu. Demande même loup pour les produits sélanés. Les marchands gagnent 10 en loyauté, mais c'est parfait. Ouais, ici je l'ai loupé par contre, du coup, ça c'est... Très mal joué de ma part. On va l'attraper là. Non, non, tu t'enfuiras pas. On va te choper à 70 000 là, ça devrait te détendre. Voilà. Éteint. Ce que j'adore, c'est que mon armée de 34 000 suffit à le défoncer alors qu'ils sont 10 000 fois plus quoi. Un 10K plus. Et on envoie quand même les renforts parce qu'on est des mecs propres. Ah, t'as pris le siège, fais gaffe, tu prends de l'attrition pour que dalle du coup. Ouais, attends, parce que je suis. Wow, j'ai des milliards de trucs en même temps là, je suis. Ouais, ok, bah c'est donc pour je ça, me casse. C'est pour ça que je te tu le dis. Tu fais bien de me le dire. Ouais, tu fais bien. Je le donne à Sam. Hein. Ouais, vas-y, donne-le à Sam direct. Hein. Ça fait pas chier. Okay. Je vais stack wipe son armée. Voilà. Et après, on s'arrête là. On se replie. Hop. Hop.
On a un mec libre, donc pas de souci avec ça. Du coup, jaune pour. Alors, est-ce que je peux tout prendre? Parce qu'il a quand même pas mal grossi, hein, donc on va commencer par ça. Voilà, ouais, on est déjà à 91% là, ça pique. Ouais, on peut pas tout prendre, hein, bien sûr. Du coup, on va faire grossir en priorité le jaune pour, étant donné que c'est lui qu'on va intégrer. Hop, un petit truc à Delhi. Est-ce qu'il a du blé? Ah, il a quand même pas mal de blé. Hein. C'est intéressant. On va faire un truc comme ça. On donnera ça à Marwar plus tard, vu que de toute façon, il faudra qu'on aille finir l'Afghanistan. Bah écoute, on s'arrête là. Ça me convient. Hop là. Voilà. On a perdu 66 points de karma, donc tout le karma qu'on a regagné, il se casse la gueule. Du coup, on a pris ça pour nous, quelques petits trucs pour nous. On a un fort maintenant, ici, c'est parfait. On va immédiatement voir si ça vaut le coup de le garder. Ça vaut pas trop le coup, faudrait plutôt qu'il soit là, en fait. Non, c'est de la merde, ce fort. Barre-toi, fort. Tant qu'à faire, j'ai fini ma guerre contre Brunet, aussi. On va aussi virer ces forts là qui servent à rien. Ça va, tu t'en es bien tiré, ça va, c'était pas trop difficile. C'est pas difficile, mais par contre c'est super chiant parce que c'est que des îles, alors. Pff, ah c'est oui, que de la manœuvre dois, quoi. Tu dois te déplacer et tout. Ah ouais. Donc c'est chiant pour ça. Ici on va aller là et là. Alors où sont nos armées? Ici on a des mecs qui servent à rien, donc du coup vous prenez de l'attrition. Comment ça se fait? Je vous avais mis sur une province, non? J'ai mis ce clic, c'est ça que vous me dites? Ah que c'est bon de savoir qu'il n'y aura plus à investir dans les institutions, ça y est. Ouais, ça fait plaisir aussi, hein, j'avoue. Bon bah du coup, on va envoyer quelqu'un s'occuper un petit peu. Alors déjà on va faire revenir les diplomates, puis après on enverra des gens s'occuper. Puis on va trouver quoi faire de nos sous aussi, parce que... C'est un peu la teuf. Un aximitaire à la place de la Russie. Oui, vas-y, viens, pas de souci avec ça. On va s'occuper des dépendances. Et du coup, il nous manque une relation. Hein. Ah non, on a toujours un mariage royal avec le Biapas. On va se rallier avec lui parce que je l'aime bien. Et puis, il va nous aider contre les Ottomans bientôt. Enfin bientôt, un jour. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos 5000 sous? Y a-t-il des volontaires? Ouais, ça c'est bien ça, c'est très très bien ça. C'est très très intéressant ça. Hop là. Des troupes peut-être? Oui, des troupes. On prend. Alors attends, je vais mettre pause 2 secondes pour m'occuper un peu des forts. Moi j'ai... T'imagines même pas la vitesse avec laquelle les révoltes s'enchaînent chez moi, c'est une violence. Mais bon. Et c'est l'autonomie partout. Ça, ça doit péter encore. Ça pètera. Ouais. Ça, c'est de la jungle. Ça, c'est de la montagne. L'idée, c'est de les empêcher de descendre. Hein. Pas vraiment. Ici, y'a quoi comme terrain? Là, c'est que de la. Ouais, donc du coup, on va en faire un là. Ouais, mais on légitime, donc on peut pas. Ici on n'est pas si mal. Techniquement il en faudrait peut-être un là. Ou un Hormuz peut-être. Ce serait pas mal un Hormuz. Ouais, on va en faire un Hormuz, allez. Un petit fort. Hop là, c'est parti pour une citadelle en étoile. Ici c'est bien, ici c'est bien. Bon, il nous reste 2000 encore. Est-ce qu'on n'a pas des bateaux à recruter? On a un bateau à recruter. On est comment au niveau des bateaux? 22 bateaux de transport. Allez, on a 19 vaisseaux lourds, on va en prendre un 20ème pour faire propre. Il y a des armées de Kilwa en exil qui se baladent chez moi. Ah oui, bah c'était parce qu'ils étaient en guerre contre toi, non? Qui ça? Kilwa. Kilwa, ouais, il me semble. En fait, je crois qu'il a fait tout le tour du continent. Et il arrive juste chez toi. Sauf que pas de bol, tu viens de terminer la guerre, donc il est en exil, faut qu'il fasse demi-tour. Ça c'est con. Il est en train de franchir la frontière pour rentrer dans le delta du Bengale, quoi.
Ah, et s'il est... il est venu à pied, il... Oh la vache, le trajet de fou, quoi. Purée. On va regarder au niveau des régiments. On peut peut-être faire un peu mieux, hein. J'aimerais bien monter un casse-canon dans mes régiments. On va virer les régiments et on va les refaire. Régiment. Alors, on va mettre... un truc comme ça. 6, 8. On a combien de portées de débordement là? Nos caves. 2 de portée de débordement et avec nos tech. Plus 100%. Donc on est à 4 de portée de débordement. Donc du coup, ouais, on peut mettre un peu plus de monde sur les côtés. Mouais. On va foutre 6, on va foutre 15 canons. Ah ouais, on est à 41 du coup, c'est dommage. On va mettre une cave en moins. Oh, ça fait combien de siècles que je suis pas allé voir mes marchands? Très longtemps. Que plutôt que collecter un en Hangzhou, je pourrais peut-être collecter ici. Ça serait peut-être mieux. Après les autres, ça va. Canton, je suis devenu numéro 1. Et à la barbe du Ming. Hop là. On va lancer un entraînement parce que ça fait longtemps par contre. Nos généraux sont là, nickel. Alors. Pourquoi je peux pas? Nous ne détenons pas cette province, ah zut. Eh ben on va commencer à s'occuper d'améliorer un petit peu nos régiments. Donc ça c'est plutôt du mercenaire. Donc on a libéré 3000 mecs qu'on voyait là-bas. Alors par contre il me faut des provinces où on peut mettre 40 000 hommes maintenant. Là. Vous arrêtez de vous entraîner, vous allez là plutôt. Donc on va améliorer un peu la force du pays, ça calmera un peu les vassaux je pense. En passant. Hop là, on a détaché personne. C'est relou ça. C'est relou quand ça bug comme ça. Ici on va attendre que ça renforce. Alors on est toujours à plus 50% de malus là sur les techs. Ça fait un peu chier de les prendre quand même à ce prix là. M'étonne. Après mais j'ai tellement de points quoi. Alors, notre héritier, il aura plus 5% de discipline, parfait. Il a suivi les voies de sa mère. Déclin des monastères. On gagne du karma, oui, on gagne du karma complètement. Qu'est-ce que je pourrais faire de mes points? Bah, développer le pays. Il faut qu'on développe un peu des provinces ou poser des troupes, en fait. 137% de discipline, quoi. Tranquillou. Ouais, parce que c'est un peu tendu ces provinces là. Aride, ah putain, ouais, c'est des provinces arides en fait. C'est ça qui fout la merde. Zéza qui fout la merde dans le coin. C'est très triste. Si on peut mettre 41 000 hommes, mais bon, c'est un peu de l'autre côté du détroit quoi. C'est marrant, le rose, la couleur rose de Marwar, oui. Me fait des artefacts de cartes graphiques. S'il est situé sur ma, la gauche, tout à la gauche de mon écran,
S'il est tout à droite, ça le fait pas, et sur une autre couleur, ça le fait pas. Et c'est qu'un certain pourcentage de zoom. C'est très bizarre, du coup. J'avoue. Enfin voilà, pardon, c'était le truc qui me perturbait un peu. J'ai commencé à prendre peur, mais non, tout va bien. Ça peut être la couleur du rose de Marwar. Alors fais pas trop grandir Marwar, hein, s'il te plaît. Non, bah de toute façon, il est censé bouffer ce qui reste de l'Afghanistan et un peu du Jaunpur, et après il disparaîtra. On va commencer à annexer le Yarkand d'ailleurs, parce que ça nous fera, ça va nous bouffer quelques points. C'est pas plus mal. Alors ici on a nos 40 000 hommes, parfait. Ici on est à 41 du coup, donc on va récupérer un mec. Ouais, on va rester à 41, c'est bon. Les métiers du soldat. Ah, fait chier. Bah, on va perdre du blé, on va devoir prendre un emprunt sans déconner quoi. Les mecs, faut arrêter les conneries. M'allier avec les Mandchous. Vous rigolez. Prendre un emprunt quoi, sans déconner. Je suis allié avec les Mandchous. Qui eux pourront intervenir dans une future guerre contre le Ming. Oui, peut-être un peu plus efficacement que le Japon, effectivement. Et puis bon, pourquoi pas après tout. Des places, j'ai de la place, hein, donc. 4 sur 5, Japon, Mandchou en alliance, Ceylan en alliance et Dali en vassal. Je crois que le Portugal, je vais pas tarder de lui déclarer la guerre. C'est parti. Allez, là-bas. Alors ici on va commencer à prendre de l'attrition, c'est un peu con. C'est bien parce que du coup le Ming il me fait plus de contre-espionnage là depuis et du coup bah revendiquer c'est devenu super facile maintenant. Il est toujours gros en Amérique du Nord, hein. Il a toujours l'Alaska, la Californie. Oh, il est pas encore à terre, hein, mais c'est vrai qu'avec les rébellions qui risquent de commencer à péter avec son mandat céleste à zéro, c'est ça. Il va très probablement souffrir. Hein. Pourquoi il a un accès militaire chez moi, le Jaunpur, hein. Ah non, il s'entraîne, autant pour moi. Il s'entraîne, mais j'ai l'impression que sa cave avançait, mais non. Excuse-moi, du coup, j'ai un. T'en prie. Un rival qui n'est plus un rival valable. Attends, la République des Nations n'est plus un rival valable, il s'est fait défoncer. Ah ouais, il se fait un petit peu défoncer par les Ottomans. Bah moi le seul rival que je peux mettre c'est toi. Ah même le Ming Bah toi, le Ming c'est déjà fait, il me demande un deuxième, bah toi. Bah écoute, voilà, moi voilà. J'avais encore la République des Deux Nations, on va voir s'il me propose des trucs après. On a déjà levé l'embargo, voilà. Non, y'a que toi. Mais voilà. T'es plus fort que moi, t'as une marine 97% plus forte que la mienne quand même. Hein. Oh, j'ai une bonne marine, je pense quand même. Je sais pas la combientième, mais. Bah, vu que j'étais quand même pas loin dans les premiers, tu dois quatrième bien placer, marine, hein. J'ai la quatrième marine. Tiens, je vais aller voir un petit peu les stats avant que t'enlèves la pause hein, pour le plaisir. Et j'ai comme toi, hein. Moi j'ai province la plus riche, mais sans le numéro. Ouais, bah moi j'ai revenu le plus important. Troisième revenu commercial, cinquième province la plus riche, cinquième superficie la plus importante. Je suis que 11e en marine. Bon. Ah ouais, j'ai meilleur revenu commercial que toi. Étonnant. Je suis 2e moi. Ah, remarque, je suis dans pas mal de nœuds maintenant. Ouais, bah ouais, au bout d'un moment. 3e armée la plus nombreuse, 4e marine la plus importante, 4e superficie la plus importante, province la plus riche. Laquelle est-ce? On ne sait pas. C'est un mystère. J'avoue. Bah je vais jeter un oeil au commerce tiens. Parce qu'avec tous les trucs là, ici on a un mec qui transfère, ici on a un mec qui transfère. Ici on fait rien mais on a rien à faire, ici on a quelqu'un qui transfère vers où, vers là? Ouais vers là. Vers le Bengale, ouais c'est logique. Assez logiquement, ici on transfère mais c'est pas ouf.
On a que 89% à Ceylan, c'est un peu pourri par contre. Ici on collecte. Ouais, on collecte. Ici on est obligé de collecter aussi, c'est dommage. Ici il y a 13 qui se barrent. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Il y en avait un là qui servait pas à grand chose. Ouais, lui là, on va le rappeler. Le mec qui est à Malacca aussi. Ouais, mais il y a quand même 6 qui sortent quoi. Parce qu'on pourrait l'envoyer sinon. Là c'est pourri. Ouais. Je remets une petite lecture hein, pendant que tu fais ça. Non. Ouais, excuse-moi, je venais de le faire. J'allais dire c'est pas grave parce que je venais de finir, j'ai dit bon allez. Donc il regarde ça tranquillou. Allez, pointe-toi, voilà. Ici on va donc collecter. On va voir si c'est pas plus rentable. On peut rembourser notre emprunt. Voilà. Alors, les honnêtes marchands. Bah oui, bien sûr, on est honnête. Alors, on va devoir attendre la fin du mois, c'est un peu triste. Ici, on prend de la pression. Ah, et on a trop de points. Oh là là, c'est la catastrophe, les points, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des points de mine? Je pose la question. Oh, tu serais un bon tributaire, toi. Bah, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'assez gros pour me tributariser. Oui, ça c'est sûr. Peut-être toi. Bah ouais, c'était une guerre tactique entre nous, oui, peut-être. Et encore. Mais bon. Oui. Quel intérêt, franchement. Ouais, non, ce serait... Nul, oui. Annexion. On a 4 de réputation diplomatique, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors Assam il fait toujours la gueule, on va commencer à l'apaiser un peu hein, parce qu'il fait chier à faire la gueule. Ah, on a terminé une mission. Oh, pause, stop avant qu'elle s'arrête, j'ai réussi à accroître mes revenus. Truc de fou. Non. Ouhou. On a enfin cette mission qui bloquait. Coût de construction moins 10%, putain ça va faire bien plaisir aussi. Du coup, on a tous ceux d'après, hein, bien sûr. Belle performance! Économiser 2000 sous. Ouais, bon, ça devrait aller vite. Ouais, ça, tu m'étonnes. Ah, bah, c'est cool. Bah, depuis le temps? Ouais, c'est clair. Voilà, puis on va baisser. On va rendre notre ami Assam loyal, comme ça, il va nous payer de la thune. Alors, ici, on prend de l'attrition pour rien. Ça m'emmerde. Où est la 11ème armée? Ça c'est la 4ème armée, on va prendre une. Voilà. Ici on a une troupe de trop, qu'est-ce que c'est? C'est une cave. On va prélever une cave et on va l'envoyer là. Non, on a déjà beaucoup trop de caves ici. Zut. On va plutôt l'envoyer là-bas du coup. Les bateaux, on va peut-être arrêter de les payer hein, parce que bon, on a les moyens mais techniquement ils servent à que dalle. Oh bah il manquait plus que ça pour les Russes. Révolution russe, j'avoue. Oui non, on n'était pas assez dans le mal, du coup on a décidé d'être encore plus dans le mal. Ça. La France est hostile envers moi, tiens non. Parce qu'il veut des provinces. Bah ok, bah venez les chercher, je vous attends. Y a pas de soucis. J'avoue. Pourquoi il veut des provinces, ce con? La Castille n'a pas réussi à se libérer de l'Aragon. Bon, sûrement parce qu'ils sont, en mode... Ils sont en mode colonisation. Ah bah oui. Il veut plein de provinces, une dizaine de provinces chez moi. Bon, l'Aragon, on l'arrête plus par contre, il est en train d'écraser Tlemcen et tout quoi. Notre impétuosité jette l'effroi chez l'ennemi, gagne 25 en prestige. Mais oui, complètement on est impétueux quoi, y a pas de souci. On va attendre un peu de refaire les réserves avant d'être plus impétueux par contre. Alors, les trucs à moins 10%, on peut peut-être en profiter un peu. Pour faire ces petits bâtiments à 0,60 là. Ah, mais faut que je fasse 2000. Faut que j'attends. On va faire 2000 vite fait. Ce sera fait. Le même loup qui est en train d'écraser des gens.
pourquoi pas. Billet passe. Billet passe, il voudrait pas que je le vassalise. Il y a un objectif dans l'ère de révolution là. Putain, j'ai encore trop de points. Ouais. Qui consiste à avoir une dépendance avec un développement à 250. Je sais pas si ça serait pas possible ça. Ah, pour toi peut-être, pour moi non. Attends, je vais redévelopper un truc vite fait parce que du coup, encore des points à plus savoir quoi en foutre. Des teintures, tiens, c'est bien ça. Allez hop, on va développer les teintures. Moi, stratège, j'arriverai jamais à le faire. Hein. J'arrive pas à avoir quelqu'un à 3 étoiles. Hein. C'est. Bah, t'as combien de traditions terrestres ? Ça doit être pour ça. J'ai que 54. Ouais, je pourrais peut-être réussir à faire la discipline, moi. Je suis à combien ? Je suis à 122. Si j'arrivais à monter mon karma, je pourrais l'avoir. On est à moins 88, autant dire que c'est pas demain la veille. Voilà, je suis à 139 de 137 de discipline, moi. 137, oh la vache, le. J'ai un événement qui m'a donné 5% et j'ai un conseiller qui me donne 5%, donc là, j'ai pris 10 d'un coup, là. Bon, ah, c'est temporaire. C'est vrai que quand mon héritier va passer, on va avoir plus 5%, donc on va l'avoir. Ouais, bah voilà, ouais. Alors, mes dépendances, ouais, on peut voir leur niveau de développement. 178, 231 l'Yarkand. Ah, c'est presque dommage de l'intégrer en fait. Ouais, on est à 14%, je vais arrêter. Je vais arrêter et je vais le faire grossir encore en fait. En plus, il m'aime bien, donc du coup, on va en profiter. Du coup, on va lui demander de faire des revendications un peu partout où il peut. Ouais, ça c'est bien. Ouais, on va faire grossir encore un petit peu. Si on le fait grossir de 20, on a l'objectif, ce serait classe quand même. On n'est pas pressé pour l'intégrer, hein. C'est pas pour les points qu'on a perdus, on s'en tamponne totalement. Et du coup, voilà. En fait, c'est bien avoir envoyé mon marchand à Hormuz qui m'a fait passer la mission. C'est cool. Bon, bah moi je trouve que c'est plutôt propre. Oh, tu m'étonnes. Bon, la prochaine guerre, c'est contre la Transoxiane, je pense. Ce que tu veux. Je vais vérifier un truc. Ah ouais, non, zut. Je voudrais attaquer Fars, mais du coup, comme... je voyais comme les Mamelouks et Fars sont en guerre, en fait, et ils sont tous les deux alliés à la Transoxiane. Je me disais que peut-être il n'y en aurait qu'un qui viendrait. Et du coup, il n'y en a aucun qui vient, ce qui est bien triste. Ah merde. Par contre, on pourrait complètement faire ça là. Attaquer Fars, mais on va attendre que sa guerre se termine quand même, parce que sinon il n'y aura rien à assiéger. Ce qui est quand même un peu dommage. Bon, par contre, je suis 3ème au score mondial, ça fait plaisir. Oh, je suis première puissance mondiale! Oh, j'avais pas vu! Ah ouais, joli! T'es 2ème devant le Ming! Ah ouais, non, là c'est. On les fouf! C'est beau! Ah là, on. C'est classe. Je suis pas loin de toi. Hein. Ah ouais, on est au coude à coude. Hein. Après toi, c'est vrai que le problème, c'est que tu peux que grossir sur le Ming maintenant quasiment quoi. Ouais. Ça limite un peu les temps d'extension quoi. Bon, tu peux toujours aller sur les îles, hein, tu me diras. Ouais, c'est ce que j'ai un peu fait, ouais. Le Portugal, tu peux pas aller s'occuper de ces rebelles peut-être au Portugal parce qu'il va crever là, non? Non, mais je vais m'occuper du Portugal directement. Je crois que ça va être mieux. Oui, tu peux aussi faire ça. Ouais. Alors attends, gain de 2060 du cas, oui. Donc mon mec est mort. Ah, c'est marrant parce que comme j'ai mon mec qui... Alors j'avais un événement, la Royale Hérétique, où je devais choisir ce qui se passe, machin. Et du coup, comme mon mec est mort, mon héritier a pris le pouvoir, machin, du coup j'ai plus d'héritier et plus de consort, et du coup le message c'est... L'empereur va tenter de divorcer d'avec nos consorts. Ah. Au lieu du nom de la personne. J'avoue, ça c'est bizarre ça. Ouais, ça s'est mis à jour en direct. La famille royale Manchu va la prendre. Le premier consort, nos consorts, est écarté. Bah oui. Je perds du prestige. On va prendre l'agitation, allez. Garde le prestige. Il est haut.
Ok. Je peux pas me retenir, je dépense des sous moi. je peux pas avoir le truc à 1000, c'est pas 2000, c'est pas possible. Non, oh, tu peux te retenir un peu quand même. J'ai trop envie de dépenser des sous quoi. J'ai beaucoup trop envie de dépenser des sous. Oh la vache. Oh moi j'attends quoi, dans ces cas-là j'attends. Hein. Je comprends hein, mais ça passe tellement vite. Bon là d'accord, le jeu est en pause, ça passe pas vite, mais sinon ça passe vite. Ouais, en plus je gagne 100 par mois, mais tu vois là je pouvais construire un bâtiment qui me coûtait 100 et qui rapportait 0,40. Oh le mec. Voilà quoi. Faut que j'embauche une troupe supplémentaire. C'est toi qui as mis pause hein, par contre. Hein, donc. Ouais, pardon, c'est bon, je la renlève. Oui, donc je te disais dans le Portugal, je vais le manger directement, ça va être mieux. J'en ai marre. Hein. Ouais. Voilà, faut que tu... Ouais, faut que tu casses ton tribut du coup. C'est fait. C'est fait, puis je vais déclarer une guerre dans la foulée. Et puis... T'as pas un temps avant? T'as pas une trêve quand tu casses le tributaire? Ah si, oui, exact. 5 ans. Bon bah voilà. Ça me laisse le temps de faire un ou deux... Asus, baby. Allez, re-indépendance en Arakan, 40 000, bah putain. Bah, y va, dites donc. Ouais, faut lâcher de l'autonomie des fois, hein, parce que, enfin, après, ça dépend combien ça te coûte, mais... Non, non, moi, je mets des moins partout. Je mets jamais de plus en autonomie. Le gain, toujours le gain, le gain, le gain. C'est vrai, t'as raison, je pourrais peut-être lâcher un petit peu de l'autonomie à droite à gauche. Genre là, là. Moi, dès que je peux faire du moins, j'en fais, hein. Même si ça provoque des rébellions, enfin ça dépend de ma situation bien sûr, mais là, c'est pas grave, je m'en fous les rébellions, hein. J'ai assez de troupes pour les absorber. Hein. Je râle, mais au final, ça finira bien par se calmer. Ouais, t'as raison, on va faire gueuler un peu. Hop, au pire, on claquera des points pour faire quelques répressions. Eh ben voilà, ça y est, la révolte est là. Voilà, ben je vais les intercepter, c'est nickel. Pas de stress. Trois commandants sur 4. Alors on va prendre un nouveau commandant. Et... Oh, il a d'étoiles ce con. Oh, il a peut-être bien 3 étoiles celui-là. Non ? 2. Dommage. Au moins il en a 2. Ouais. Non, là tu les défonces les paysans quoi, ça fait tellement mal pour eux. C'est pourquoi j'ai amené ma deuxième armée, ça me sert à rien. Bah oui, non mais c'est... enfin... Pff. Bon allez, on se tente le 2000 et après on arrête l'épisode. Ouais. Je peux passer en vitesse 3 si tu veux d'ailleurs, hein, j'ai pas dit mais... Bah ça dépend si tu résistes hein. Ouais, bah voilà, là je vais résister, je gagne 114 par mois, on va résister quoi. J'ai envie de te dire résiste, prouve que tu existes, mais... Non, ce serait assez... non. Bah je l'ai dit. Oh, plus 2 de karma, c'est propre ça. On va convertir ce truc là qui a 2,20 là, Kaboul. On va convertir Kaboul à la fois Theravada quoi, c'est beau. Au niveau des cultures d'ailleurs, on pourrait pas faire des trucs. Ouais, 4% c'est pas ouf. On pourrait se débarrasser de ce truc en même temps. Ah bah y'a des rébellions. Bah dis donc. Y'a des gens qui gueulent. Indépendance de l'Afghanistan. En fait, ma seule difficulté c'est de savoir où est-ce que ça va arriver. J'ai les noms. Ouais, bah y'a un moment ça devient plus compliqué, c'est sûr. Et c'est au Marwar aussi que ça va gueuler. On va envoyer des troupes. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut poser 40 000 hommes le Marwar? Ouais, là on peut poser des gens. Hein. Ça va probablement tout péter dans le coin en plus. Des petites légitimations. C'est parfait. Chiu-quan. Alors, des mecs se sont soulevés à Katmandou. Ok, c'était pas vraiment là que je les attendais. On va y aller. Importation de café, alors c'est quoi ça, excuse-moi. Agitation dans le pays, moins 1, défense d'effort, plus 10%, on gagne en mercantilisme. On s'en fout de l'agitation, on va les écraser de façon. Ça se soulève, mais pas du tout là où j'avais vu. Oh mais j'ai encore trop de poids, bordel.
Au secours. Ça c'est à 7 mais c'est de la merde. Là on a des épices, allez, on va développer un petit peu le commerce des épices. Hop là. Bon, ici on va poser un commandant. Toi t'es qui toi? Ça c'est toi. Hop là. On va s'occuper de ça vite fait pendant que se reforme. Bah qu'est-ce qui s'est passé, le Portugal c'est devenu Koutaï? Ah bah je t'ai dit hein, qu'il avait trop de séparation sur sa tronche. Ah bah oui, je suis bête, oui. Les séparatistes, ah bah au oui. bout d'un moment, ils arrivent à faire le taf. Hein. Oh, on a 41 000 hommes qui se sont rebellés ici aussi. Ils ont l'indépendance garantie par le Portugal. C'est vrai, c'est marrant ça. Le Portugal qui ouais. garantit l'indépendance des mecs qui... Qui se libèrent, ouais. Pourquoi eh pas. Ben, demande d'accès militaire de la part de l'Aragon. Mais non. Pourquoi je ferais ça? Bah du coup je vais déclarer la guerre, impérialiste, prendre la capitale. Ah bah par oui, contre... avec l'impérialisme c'est cadeau. Par contre, attention, il y a le Portugal qui va rejoindre la guerre. Ouh là là, tu vas devoir aller prendre Porto, attention. On a perdu un diplomate, donne-moi 2 secondes. On a un mec qui donne de la réputation diplomatique. Ça peut être utile, mais c'est un plus un pourri. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner des gens? Pff, non, toi, non, 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 bon, on va prendre le plus un pourri puis on va l'upgrader. Ah mais on est presque à 2000. Ah bon, on va quand même le prendre. Voilà. C'est pas grave. On le prend quand même, rien à foutre. Ici on va écraser les rebelles. Il aura pas résisté. Non mais c'est bon, on était à 1920, ça me fait descendre à 1800, voilà, je suis à 1899. Ça va, je pourrais me permettre quand même. Et voilà, on est à 2000. Réduction de l'inflation. Mon tributaire Passa, il a fait la même déclaration de guerre. Ah c'est marrant. Du coup, il va falloir aller vite. Bah, ouais. C'est bon, j'y suis déjà. Réussir la mission manufacture à ce niveau-là du jeu, ça m'a fait gagner 7181 ducats. Ah par contre c'est propre ça, putain. Du coup je suis à 9000 de thunes. Bah c'est bon les 2000 là du coup. Et je peux terminer, conquête d'un empire, hein, plus 32 prestige. Alors avant de ça on va aller s'occuper un peu. Ouais mais tu sais c'était les 2000 qui débloquaient ouais, la mission d'après. On va aller baisser un petit peu la dépendance des... enfin la loyauté des mecs là. Et on va prendre ça, allez séparatisme, moins 5 et voilà. Donc les seules missions qui nous restent c'est 7 ans d'autre mer qu'on ne fera pas et la route de la soie qu'on aura un petit peu de mal à faire. Mais c'est quand même plutôt propre. Bah moi c'est pareil, les deux que je peux pas faire c'est commerce des épices. J'ai pas assez d'épices quoi, des épices faut aller de ton côté pour en avoir donc. T'as le commerce de la soie toi? Non, épices. Mais la route de la soie tu l'as eu ouais. Bah ça encore je pourrais le faire parce qu'en prenant chez Ming je vais prendre de la soie. Mais je pourrais pas avoir épices donc l'un dans l'autre. Ouais. Bah moi épices j'ai déjà donc du coup ça va. On va faire un peu de commerce, tiens, ça fait longtemps. Juste, vas-y, en attendant, moi je. Ouais, je vas-y, excuse-moi. Fait, mais... Je fais Koutaï là, hop. Oh là là, je sais plus quoi construire. Bah, j'ai même pas à quel point je les ai éclatés. Je suis surpris. Mais alors, avec une aisance. Pas ça, il veut un accès militaire, non, démerde-toi. Continuons les constructions, ici on a du 0,21, c'est pas ouf mais ça fera le taf. Ici on a toujours du 0,32, allez, 0,40. C'est bon quoi, 0,37, c'est toujours aussi rentable. Ah on a des rebelles à Kaboul, bah ils se sont fait défoncer. Bon il me reste encore 1300, j'ai plus quoi construire au secours. On va construire 2 manufactures supplémentaires, et voilà. J'ai de quoi remplir 2 écrans en liste de trucs en train de se construire. un peu plus de commerce, allez, un peu plus de commerce. Voilà, c'est bon, on peut plus rien faire. C'est propre, on va faire ça parce que ça sera plus propre. Et on est bien. Du coup, donc là, on va, par contre, on va pas garder le général sur les troupes avec des mercenaires parce que ça ne sert à rien. L'impérialisme contre le Congo! Et moi contre Soyo.
Alors, tu regardes la gueule du Congo dans ta, dans cette partie par rapport à la tienne, ça va te faire bizarre. Ah oui, effectivement. Oh, la Savoie qui est posée là, quoi. Ouais. La vache. Pareil aux États-Unis, j'ai vu que tu sais qui commence à se poser là, Ah, par contre, en la Europe, la frise. Savoie, c'est le drame, hein. Ah bah ça. Moi, je vois pas encore les États-Unis. Il faudra que je, faudra que j'envoie. Ah, non, mais c'est, j'ai pas d'explorateur. Je suis con, je ne peux pas. Oural. Oural. Ah ouais, Oural a été créé, effectivement. Par contre, du coup, on va complètement arrêter l'épisode là. Ouais, vas-y. Il est bien plus que temps. Bah du coup j'espère que ça vous aura plu, hein. On est sur un petit truc, ça s'est plutôt bien passé. On a investi dans des bâtiments, j'espère que vous apprécierez. J'investis pour le pays. Le fric dépensé. Ah ouais non mais là, en même temps ça va tellement me rapporter quoi. Tant les bâtiments qui rapportent quasiment 1 quoi. Ça serait con Ah, de pas les faire quoi. c'est clair. Le truc il te coûte 400, il te rapporte 1 quoi. Bref. J'espère que ça vous aura plu et du coup on se dit à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.